Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce petit rendez-vous qui commence à être un petit peu récurrent. Mes petites trouvailles, bric-à-brac et Emmaüs. En ce moment, vraiment, anxiogénéité level 1, top 50. Mon mec m'a dit, tiens, il me reste 10 balles dans mon portefeuille, va. Parce que vraiment, moi tu vois, chiner à bric-à-brac et à Emmaüs, c'est un petit peu comme si j'allais voir mon psy, sauf que ça me coûte beaucoup moins cher et que le bénéfice dans ma maison est... palpable. J'ai un énorme sac comme tu l'as vu dans la miniatura. Je fais attention parce qu'il y a des pépites qui cassent là-dedans. Abricabrac, donc c'est ce que j'ai fait en tout premier. J'ai trouvé ces gants de... ces entraînements de boxe, hein, je pense. J'étais tellement contente. Tu le sais, je suis à fond dans le kickboxing et mon prochain achat, peut-être que j'en trouverai un même abricabrac, c'est un sac de frappe. Et je me suis dit, mais ça... c'est perfecto, donc des gants d'entraînement, ils sont en XL, ils sont un petit peu grands, tu vois, au niveau du petit doigt, mais ils sont géniaux, et quand je les mets, je te jure, ça me donne envie de taper. Alors j'ai essayé sur mon mur, et ça marche super bien, donc après je vais les dézinguer, donc je vais attendre d'avoir mon sac de frappe, mais franchement, ça c'est top, même pour faire des petits mouvements et tout, tu vois, me faire au truc quoi, mais quand j'ai ça dans la main, j'ai envie de taper ma race, tu sais pas à quel point. J'ai eu les deux gants qui sont en parfait état, hein. Je les ai eu pour 1€. Alors là, quand il m'a dit le prix, Mochizuki Chuck Norris, sûrement, je les adore. Franchement, ça a été, il y a quelques trucs qui sont pépitales, mais ça, franchement, thérapeutique, vraiment. Ensuite, moi je vais essayer de trouver tout ce que j'ai trouvé à bric-à-brac. J'ai trouvé ça. Alors, je me cherche un livre sur l'ostéopathie. Essayer de comprendre un petit peu, tu vois, les mécanismes et pouvoir l'appliquer à moi-même. Enfin, moi quand je masse. Mais je trouve pas. Je trouve pas pour l'instant. Donc j'ai trouvé celui-ci, Massage Express. Mais je veux pas faire la meuf qui connaît, tu vois, mais je connais déjà ça. Donc c'est cool, tu vois, ça me fait un petit bouquin sur les massages et tout, mais c'est déjà des trucs que je pratique de moi-même. Donc, mais bon, ça fait un petit livre de massage à la maison. Et celui-ci était à 50 centimes, alors qu'en vrai, il coûte 12,50€. Comment continuer à acheter en magasin? Je te le demande. J'ai trouvé celui-ci pour mes petits assistants. Donc, eux aussi sont à fond dans le domaine marin et tout. Et ça, c'est cool pour la lecture, tu vois, accompagnée. Ma petite assistante, elle peut participer à la lecture. Et j'aime beaucoup les histoires, les textes comme ça, avec des petites images, parce que elle participe et c'est génial. Et les petites histoires sont assez cool. Donc, j'étais trop contente. Celui-ci, pareil, 50 centimes. Très bien. J'ai trouvé cette magnifique petite assiette à 50 centimes qui va au lave-vaisselle CGG. Donc Laura Ashley, Petite Fleur, Bibliothèque des Arts Décoratifs. Johnson Brothers, England. Voilà. Donc elle est un petit peu, tu vois, martelée et tout, mais moi j'aime bien. Ça fait... c'est des assiettes qui ont vécu. Deux petites fleurs et tout. Magnifique. Très bien, parfait. J'étais ravie. J'ai trouvé aussi cette petite, ce tout petit bol comme ça. Alors ça, je mets mes sauces dedans. Tu vois, genre quand on fait des frites et tout, je mets du ketchup, de Harissa ketchup à l'intérieur. Best sauce ever. Voilà. J'ai trouvé ça mignonnet. Donc en grès, je crois. C'est en grès, ça? En grès? Grès? Bon, je sais pas. Mais en tout cas, c'était mignon. Tu entends le bruit. Mais je te montrerai ces petites pépites à la fin. Ensuite, à bric-à-brac, j'ai trouvé un petit puzzle pour ma petite assistante. Donc, 36 pièces. Le puzzle comme ça, là. Il était à 1€. Très bien. Voilà. Ça, pour occuper, tu vois, quand il pleut, ça mumu. Et les puzzles Gecko comme ça, j'adore parce que c'est des jolies pièces, tu vois. Les dessins, ils sont magnifiques. C'est des jolies pièces de puzzle. Et les boîtes, c'est décoratif, tu vois, je le mets en dessous de ma bibliothèque, là. C'est décoratif et j'aime bien. Un livre encore, j'ai trouvé celui-ci à 50 centimes. Donc une petite histoire de baleine. Voilà, les dessins, j'aime trop. Des petites histoires de baleine.
J'ai trouvé cette magnifique édition, donc ça c'était pour 1 euro, la magnifique édition, donc L'île mystérieuse, première partie de Jules Verne. Et ça, dans ma bibliothèque, c'est tellement joli. Je pense le lire, parce que moi, tous les trucs de Jules Verne, tu sais, c'est des trucs qui se passent en général dans la mer, en bateau, en machin. Mais alors le truc, déjà, c'est écrit tout petit. Il y a quelques illustrations, mais bon, c'est écrit tout petit. Et surtout, il sent la lessive de ouf. Donc ça, franchement, si vous avez la réponse à cette question, comment ils font pour faire sentir la lessive à l'intérieur des pages, qu'on m'explique. Mais Jules Verne, j'adore. J'adore. Je suis allée à Emmaüs. Et là, Emmaüs, c'est là où j'ai trouvé un des graals de ma checklist des, tu vois, des brocantes. Je te montrerai à la fin. Mais j'ai trouvé encore et toujours mes petits bretons, tu vois, qui, je sais pas, ils m'appellent. Hein. Pourtant, c'était pas vraiment mon truc de prédilection, mais ils m'appellent, donc je les prends. Une petite boîte toute chou. Voilà. Je sais pas quoi mettre dedans. Franchement, je sais pas où la mettre, je sais pas quoi mettre. Mais pour l'instant, elle est là et tu vois. Si un jour je me décide d'acheter un grand vaisselier que je mettrai ici, là, j'exposerai tout à l'intérieur. Mais il faut que je trouve le vaisselier. Tu vois. Parce que là, je m'attaque aux bricoles. Mais arrivera un jour où dans les brocantes et tout, je vais m'attaquer aux meubles. Bah, bien sûr. Mais ça, j'ai un petit peu plus peur. Il faut que je. Que je sois vraiment, tu vois, en connexion avec moi-même pour pas acheter un meuble hanté. Ce serait con quand même. En dessous, il y avait la petite étiquette. Qui arrache l'étiquette comme ça? C'est pas possible. L'étiquette vintage avec, bah, à l'intérieur, il y a les petits gâteaux comme ça, là. Voilà. Donc Sophie, qui est bretonne, je te fais le petit clin d'œil promis pour cette petite pièce bretonne. Hein, voilà. Et alors là, j'ai trouvé deux pièces. Une qui est mon Graal et une autre. J'ai failli pleurer d'émotion quand je l'ai vue, vraiment. Ma grand-mère et mon grand-père, donc mon grand-père qui est décédé, ils ont, depuis que je suis toute petite, deux chats en porcelaine, ou en céramique, deux sphinx ou deux siamois, je sais pas trop, mais bon, c'est des longs chats comme ça qui sont bleus. Et ils sont entremêlés comme ça. Et je les ai toujours associés, ces deux chats, à mes grands-parents. Qui étaient hyper, hyper, hyper fusionnels. Franchement, ils s'aimaient de ouf. C'était un truc de malade. Et ces deux chats, je les ai toujours associés à mes grands-parents. Et tout le temps, je disais à ma grand-mère quand je regardais ces chats et tout. Enfin, j'aime trop, tu vois, la vibe qu'ils ont, ces chats. Je me suis dit, j'aimerais trop en avoir et tout. Et j'ai jamais trouvé vraiment le même truc. Et là, j'arrive à Emmaüs. Et qu'est-ce que je vois dans les bibelots? Parce que je me cherche la méduse, tu sais, dans le presse-papier, là. Donc, je vais voir dans les bibelots et tout. Et qu'est-ce que je vois? C'est ceux-là, les chats. Sauf qu'il y a l'autre, tu sais, chez ma grand-mère, il y a l'autre qui s'emboîte ici. Je l'ai vu. Il était tout seul. Donc, tu vois, c'était pas, je séparais pas un couple. J'en ai juste un. C'est moi. Oui. Donc j'étais trop contente, j'adore, le bleu il est magnifique. Il me semble que ceux de mes grands-parents ils sont un peu plus turquoise. Mais voilà. Tu vois, moi j'adore les sphinx et j'ai envie de me dire que c'est un sphinx. Voilà, je l'aime trop. Donc je l'ai mis vers mon évier dans ma cuisine, tu sais, qui est en terrazzo gris et blanc. Donc ça fait trop beau dessus. Voilà, je l'aime trop. Et franchement, je l'ai vu, je me suis dit non, c'est pas possible. Je te jure, j'ai failli chialer. Donc voilà, je l'ai payé 1 euro celui-ci. Je l'aime trop. Après, il me restait 1 euro quand j'ai fini ma brocante là. Et j'ai pris ces deux petits trucs. Regarde mon My Little Pony comme il est beau. C'est un transparent avec des petites paillettes à l'intérieur. Je l'adore. Et un Mario comme ça pour ma petite assistante et mon petit assistant. Voilà, c'était 1 euro, 50 centimes le truc. Mais celui-là là, je l'adore. Et mes pièces que j'ai checkées sur ma liste, c'est, tu sais, je me cherchais des petits pots sucre, café, thé ou farine, tu vois. J'en voulais trois pour les mettre au-dessus de mon frigo pour que ça fasse très très... Pour moi, quand tu rentres dans une cuisine, tu sais, de nos grands-parents et tout, il y a toujours ces petits pots là sur le frigo. Je les ai trouvés. Et en plus, ils sont magnifiques. Mais vraiment, tout ce que j'aime. Donc voilà, le pot de sucre. Donc le couvercle,
il est éclataxe, mais ils l'ont recollé, tu vois. Donc, je me dis, il a eu une histoire, tu vois. J'imagine la petite mamie qui fait tomber le couvercle et qui fait: Jean-Paul, est-ce que tu peux me le recoller, s'il te plaît? Et tu vois, il a fait ça bien, Jean-Paul. Il a bien récupéré toutes les pièces. Donc, le pot de sucre. Le café. Comment je peux te les montrer? Et le thé. Je vais te les montrer sur mon frigo après. Et le thé. Ils sont pas trop beaux. Avec les petits, on dirait le service myosotis, tu sais, d'Arcopal. J'adore. Et alors, je les ai vus et le gars, il m'a dit 4 euros pour les trois comme ça. J'ai dit oui immédiatement. Franchement, cette brocante, elle m'a fait du bien. Mais elle m'a fait du bien, tu peux pas savoir à quel point. J'ai trouvé trop de pépites. Vraiment des trucs qui m'ont fait du bien. Et je sais pas. Tu vois, je me suis dit ça, c'était pour me défouler. L'autre, c'était pour me faire un petit. Le petit chat, il est venu me faire un petit câlin et tout. Ça, je sais pas. Tu vois, je me dis, les brocantes, en fait, c'est pour ça que j'aime bien aussi. J'adore chiner des beaux objets, des trucs uniques et tout, mais je me dis, il y a une petite part qui vient me chercher, en fait, sur des objets. C'est pas. Pour moi, c'est pas du hasard. Tu tombes sur des objets. Tu vois, il y a une petite part de magie pour moi dans les brocantes et c'est ça que j'adore. Voilà. J'espère que j'arrive à t'amener dans mon univers de chinerie. Et puis, et que ça te plaît. Voilà. J'espère que tu passes un bon mois de juillet ou mois d'août. Je sais pas quand je vais poster ça, mais j'espère que ça va. Je te fais des gros 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 bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Lui qui m'émeut. T'as vu sa tête? Ça se voit, il est gentil. Je te jure, je l'aime trop. J'ai l'impression qu'il me protège. Voilà, j'aime trop. Plein de petites vieilleries.